L'image d'un couple uni et d'une famille qu'il met en avant. Il a souvent dit que les petits-enfants, les 7 petits-enfants de Brigitte Macron, étaient, il les considérait comme les siens. C'est voilà. Bien sûr une des images qu'on retiendra de cette soirée, de ce premier soir présidentiel pour Emmanuel Macron. Toute sa famille autour de lui, ses proches et le contraste entre les deux discours. On va écouter cette Marseillaise. Voilà, il est 22h54, vous vivez en direct cette soirée électorale, la fièvre de cette soirée électorale et la Marseillaise qui retentit donc pour le 8e président de la 5e République. Voilà, pour ces images et le contraste qui restera entre le discours qu'il vient de prononcer et le discours qu'il a prononcé il y a une heure dans son QG. Un discours, le premier, celui de son QG, qui était plus grave, plus solennel. Là, à l'instant, on a retrouvé Emmanuel Macron tel qu'en lui-même, qui a salué tout le monde, qui a voulu saluer à la fois ses partisans, ceux qui ont voté pour lui sans partager ses idées, juste pour faire barrage au Front National, et même un mot pour les électeurs de Marine Le Pen. Un Emmanuel Macron qui s'est voulu conciliateur et qui est déjà en campagne. Il veut, et il l'a dit, une majorité forte. Il veut la majorité absolue pour réformer la France. Il l'a dit très clairement dans 6 semaines pour les élections législatives. Voilà ces images que vous allez commenter, David. On va les commenter dans un instant avec quelqu'un qui a beaucoup enquêté.